Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour un tag qui est le tag si j'étais je crois. Voilà, tag si j'étais, il me semble que j'étais taguée par Amandine Bonbon 78. Donc j'y vais tout de suite. Donc si j'étais une couleur, je serais le rose. Je crois qu'on est pas mal à avoir répondu cette couleur. Mais voilà, le rose c'est girly, moi ça me ressemble, j'adore ce qui est rose, j'ai toujours quelque chose de rose sur moi. Le rose, voilà. Un sport, je serais la natation synchronisée. C'est mon sport préféré, j'en ai fait 8 ans et si je retrouve une condition physique suffisante, je pense que j'en referai en tant que senior. Enfin, quand je dis senior, c'est-à-dire juste pour le plaisir, si j'arrive à me trouver un club, je pense que j'en referai. Et sinon, enfin, c'est vraiment un sport que j'affectionne énormément et qui me ressemble, donc. Si j'étais un sport, ouais, je serais l'alliance la beauté et la force dans l'eau, parce que c'est mon élément. Un chiffre, je serais le 3. La trinité, le fait que c'est moi et mes parents, on a toujours été 3. Et je sais pas, moi j'adore tout ce qui se finit par 3, 3, 13, 23, 33, enfin vous pouvez aller très très loin comme ça. C'est vraiment ce que j'adore, c'est et je trouve que la trinité, etc., ça me représente bien les trois facettes que je peux avoir, etc., donc 3. Un pays, alors si j'étais un pays, je serais la Suisse, parce que je préfère être neutre et riche. Voilà, je trouve que c'est pas mal comme chose. Être neutre, être riche, c'est très bien, ça me correspond assez bien. En tout cas, c'est ce que j'aimerais bien. Voilà. Ensuite, si j'étais un animal. Si j'étais un animal, je sais pas du tout. Je serais peut-être une baleine, un rorqual commun comme on a vu avec mon chéri là pendant les vacances. Parce que c'est vraiment impressionnant et je trouve ça vraiment génial. Donc comme j'adore l'eau. Et puis un dauphin, ça a des côtés un peu vicieux que j'aimerais pas forcément, donc plutôt une baleine. Là j'entends déjà les moqueries, pour y aller, bon, bah les steaks. Un objet. Je réfléchis à ça, et donc. Si j'étais un objet assis. Oh, je vais en choquer plus d'un. Je serais un sextoy, je serais le rabbit. Un endroit du corps. Si j'étais un endroit du corps, je serais. Je pense que je serais un cou. Je trouve que. Ouais. Je sais pas, là, comme ça, c'est. Ouais, une nuque ou. Voilà, je trouve ça joli, donc un cou. Voilà, comme ça. Si j'étais des chaussures, je serais des shape-ups de Skechers. Si j'étais un bijou, je serais quoi? Si j'étais un bijou, oui, si. Je serais ma bague de fiançailles pour l'instant. Donc voilà. Si j'étais un vêtement, je serais une robe. Et je pense que je serais une robe de mariée. Voilà, en plus je suis là-dedans. Et c'est vrai que. Ouais, le côté précieux. Je serais une robe de mariée, ouais. Si j'étais un mois, je serais le mois de mai. Parce que c'est mon mois de naissance. Ça va être mon mois de mariage. Parce que je me marie le jour de mon anniversaire. Ouais, je serai le mois de mai, c'est le printemps, c'est le début où il fait de plus en plus bon, c'est vraiment agréable, donc je serai le mois de mai. Un jour de la semaine, je serai le samedi, parce que généralement le samedi, je ne travaille pas, je peux aller faire les magasins, j'adore faire le shopping, c'est vraiment le jour où, voilà, c'est... C'est vraiment le week-end où je peux profiter,
Et sans être au dimanche où juste généralement je déprime parce que lundi et tout, faut partir, etc. Le samedi, c'est vraiment le jour où c'est la joie pour moi, etc. Donc ça serait vraiment le jour que je voudrais être. Un des quatre éléments, je serais l'eau. Ça coule de source, non ? Une planète, je serais la terre, fertile, porteuse de vie. Voilà. Parce qu'après, je ne connais pas d'autres planètes porteuses de vie. Et je trouve ça vraiment magique, la vie. Donc, ouais, la Terre. Et puis, même si je connais un minimum le système solaire, je pourrais pas être une planète gazeuse. Et dans les planètes vraiment solides, il n'y en a aucune qui me fera envie ou j'aurais envie d'être ce type de planète. Alors que là, voilà, d'être la Terre, je pense que c'est aussi ce qui pourrait me le plus me représenter. Parce que je vous ai dit, si j'étais un tatouage, je serais... Si j'étais un tatouage... Je serais une étoile. Et une étoile un peu comme celle que j'ai sur la cheville. Après, voilà, une étoile. Je trouve que c'est joli, être une star. Voilà. Moi, je serais une étoile pas trop grosse. Un peu comme la plus grande que j'ai sur ma cheville, ce serait parfait. Un verbe, je serais le verbe aimer. Attends, je réfléchis quand même. C'est le premier verbe qui me vient à l'esprit, ce que je voudrais être. Si j'étais un verbe, je serais aimer ou respecter. Si j'étais une fleur, je serais un œillet blanc. Si j'étais une voiture, je serais un Hummer rose. Si j'étais une autre personne... Difficile. Parce qu'en fait, je crois que j'envie personne. Je préfère vivre ma vie et ma vie me plaît comme elle l'est. Donc c'est difficile de se dire j'aimerais avoir la vie de, être comme... être une autre personne. Non, personne. Là, c'est vraiment joker. Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne peux pas être... J'ai envie d'être personne d'autre que moi-même. Donc, non. Voilà, celle-là, joker. Il n'y en a pas. Pas de réponse. Et si j'étais un bonbon... Ben, on a toute tendance au niveau des grosses forever à répondre Amandine. Mais bon. Non. Plus sérieusement, si j'étais un bonbon... Oh, je serais un floppy rose. Ah, oh, comment c'est trop de la balle. J'adore ça. Un rose ou bleu. Les deux couleurs, j'adore. Et là, le floppy, c'est rouge, hein, vous allez me dire. Mais ils en ont sorti des nouveaux, là. Les roses et les bleus et les verts. Même les jaunes. Ouais, je serais un floppy, peu importe la couleur. Tout petit, trop bon. Et voilà. Bon, voilà, ce tag est terminé. J'espère que j'ai pas mis trop de temps à y répondre. J'espère que ça vous aura plu. Qui c'est que je tag là, comme ça, je sais pas. Je vais vous lister comme ça. Et les liens en barre d'infos des personnes que j'aurais taguées. Parce que là, le temps que je réfléchisse et tout, il y en a pour un moment. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous reviens très vite. Ciao, ciao.